Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Porto au Portugal, il est 4h du matin et je m'apprête à prendre un avion Ryanair pour Paris. Pour aller à l'aéroport, j'ai commandé un taxi et la seule application que j'ai trouvée qui permettait de commander un taxi à l'avance était FreeNow. Donc je l'ai utilisé et apparemment ça marche puisque mon chauffeur est actuellement en route et je l'attends tranquillement dans ma chambre. Le taxi m'attendait en bas de mon immeuble, un petit peu à l'avance, tranquillement. C'est vraiment royal. Donc FreeNow, ça fonctionne. J'avais tellement peur de manquer mon vol, faute de trouver un moyen de transport. Là, je suis vraiment contente et rassurée. Le chauffeur de taxi était trop cool, il m'a même déposé devant la porte de l'aéroport qui menait à la compagnie Ryanair. C'est quand même hyper pratique. Je m'attendais à un petit aéroport de quartier pour Porto et franchement je suis surprise, c'est gigantesque. On dirait que c'est plus grand que Croatie, enfin le hall en tout cas. Il n'y a pas de tunnel pour embarquer, on se retrouve à 6h du matin dans la brume et dans le froid et heureusement qu'on est en été parce que sinon ce serait l'enfer. Donc prenez bien un manteau, une écharpe, tout ce que vous voulez si vous voyagez l'hiver sur ce vol qui est à 6h du matin. Our flight is 1 hour and 50, but before the departure, the safety is our primary concern. So please have a special. Arrivé dans l'avion, apparemment Ryanair a séparé certaines familles, mais tout le monde s'arrange et ils peuvent voyager à côté. Et sinon, je suis assez surprise par la place pour les jambes parce qu'elle est plutôt conséquente. Et du coup, je pense que quelqu'un normal, de taille normale, c'est-à-dire plus grand que moi, peut largement prendre Ryanair. Like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all. Je viens de sortir de l'avion, il a une heure de retard. Alors dans l'aérien, une heure c'est possible. Maintenant que le personnel et que le pilote ne s'excusent pas et n'en parlent même pas, ça honnêtement je suis assez surprise. Enfin ça coûte rien de dire désolé, on a eu un problème à l'aéroport, on a une heure de retard. Alors une des dernières étapes avant d'arriver enfin chez moi, c'est de prendre un bus qui va durer 1h15 et qui fait Beauvais-Paris et normalement il coûte 17 €. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade if you're ready for a... Je viens d'arriver à Paris, il est midi, le bus a effectivement mis 1h15, donc ça c'est assez ponctuel. C'est donc la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine. There's a party in the backyard, that's your problems.